الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، صل وسلم على حبيبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous guide quand vous allez embrasser l'islam, quand vous allez faire votre retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez être entre beaucoup, 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 beaucoup de divisions et beaucoup de fitnas chez les musulmans d'aujourd'hui. Ce type de rappel va vous servir un jour ou l'autre, inshallah, quand vous allez entendre des gens cracher leur venin contre Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, contre Ibn Baz, contre Ibn al-Uthaymin, contre Mohammed Ibn Abdel Wahhab, contre des savants de n'importe quel type d'école, des savants sincères qui essayent d'avancer et de faire avancer. Vous allez entendre tout et n'importe quoi sur ces gens. Des gens qui sont spécialisés malheureusement dans la fitna, qui est enclenchée et déclenchée par les kuffars, alayhim la'natullah, les sionistes qui ont intérêt que cette division dure et perdure, et aussi déclenchée par des mard al-qulub, des gens qui ont des cœurs malades, des gens qui ont fait un pacte avec Shaitan. Donc cette intervention est la suite de la première intervention intitulée « Les erreurs de Ibn Taymiyyah » que je n'ai pas pu finir, donc je suis en train de la finir. En résumé, c'est un monsieur, c'est pas mal de pages, pas mal d'endroits sur internet où des gens se sont lancés pour dire « Ibn Taymiyyah est mécréant », eux ils prétendent l'islam en plus. « La ilaha illallah » comme vous voyez leur extérieur, ce qu'ils essayent de dire. Mais ils passent leur temps à cracher sur ces gens-là avec des jeux de nomenclature. Il suffit que je dise à quelqu'un « il est wahhabi » et ça veut dire « c'est bon, et il est cuit ». Ça fait « il est en enfer », ça veut dire il porte en lui tous les malheurs du monde. Et c'est que des jeux de nomenclature malheureusement. C'est que des jeux qu'on a habitué notre langue à jouer avec malheureusement. Donc c'est la continuité de Hana. Donc aujourd'hui peut-être ce type d'intervention pour nos frères en humanité qui n'ont pas encore embrassé l'islam peut vous sembler bizarroïde. Mais quand Allah va vous guider, inshallah, vous allez comprendre et vous allez beaucoup, beaucoup souffrir. Quand vous allez rentrer dans l'islam à cause de ce type de vision, plus de votre souffrance quand vous étiez pas musulman et quand vous cheminiez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir un niveau de division qui va vous déstabiliser. Ce type d'intervention est là pour ça. Dans la continuité d'autres, alhamdoulilah. Donc, j'ai répondu, donc vous pouvez lire la première partie. Donc je lui dis en arabe, اعلم يا أخي أنك ستسأل يوم القيامة عن الكلمة الواحدة مرات كثيرة لما قلتها وهل يضرك لو تركتها وهل نفعتك إذ قلتها وهل لا جعلت مكانها ذكرا فتغنم وهل لا سكت عنها فتسلم اعلم يا أخي أن كلمتك في شيخ الإسلام وشيخ العلماء لم تنفعك إذ قلتها وما ضرت من قيلت فيه اعلم يا أخي أن كلمتك في أوسع العلماء علما وجهادا ومجاهدة في سبيل إعلاء كلمة الله والذوذ عن السنة المحمدية الصحيحة الناصعة الساطعة لن تجلبك لك إلا سخط الله ومكره أخي الحبيب تب إلى الله قبل أن يدركك هادم اللذات اللهم يا رب الأرباب ومنزل السحاب ومعتق الرقاب يا من ناداه موسى فاستجاب ارحم شيخ الإسلام وعلماء الإسلام ودعاة الإسلام واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم آمين آمين وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على أكبر الخلق محمد بن عبد الله. Donc je lui dis à ce monsieur, اعلم يا أخي, sache mon frère que le jour du jugement dernier, on va te poser la question sur un mot, un seul mot. On va te poser la question plusieurs fois sur un mot. Pourquoi tu as dit ce mot? Pourquoi tu as prononcé ce mot? وَهَلْ يَضُرُّكَ وَلِمَا قُلْتَهَا. Pourquoi tu as dit ce mot? وَهَلْ يَضُرُّكَ لَوْ تَرَكْتَهَا. Et qu'est-ce que tu aurais perdu si tu n'avais pas dit, prononcé ce mot? وَهَلْ نَفَعَتْكَ إِذْ قُلْتَهَا. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a ramené? Elle t'a servi à quoi finalement? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Qu'est-ce qu'il t'a apporté ce mot quand tu l'as sorti, quand tu l'as dit? Et pourquoi tu n'as pas remplacé ce mot, ce crachat, cette kalima par un dhikr, par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, par quelque chose qui va te servir? Et pourquoi tu ne t'es pas tu? Tais-toi. Pourquoi tu ne t'es pas calmé? Et comme ça, tu aurais été salam. Tu aurais été épargné. Parce que le mot, anta, al-kalimatu asiratuka,
Les mots sont tes prisonniers tant que tu ne les as pas prononcés. Mais dès que tu les prononces, le mot, tu deviens son prisonnier. اعلم يا اخي ان كلمتك في شيخ الاسلام وشيخ العلماء لم تنفعك اذ قلتها. Sache mon frère que ce que tu as dit sur Ibn Taymiyyah et ce que tu passes ton temps à dire sur Ibn Taymiyyah ne t'a servi à rien quand tu l'as dit. وما ضرت من قيلت فيه. Elle a rien fait à Ibn Taymiyyah. Rien, tu l'as pas touché Ibn Taymiyyah عليه رحمه الله. اعلم يا اخي ان كلمتك في اوسع العلماء. Sache mon frère que ta kalima dont un des plus grands savants ou le plus grand savant de l'Ummah al-Muhammadiyya, c'est le plus grand savant. Awsa'ul ulama'i da'iratan. Il a les cercles de science les plus larges. C'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala qui marchait sur terre. C'est un niveau, mais phénoménal. Mais ce n'est pas un prophète. Il n'a pas l'isma. L'isma n'est pas là. Et lui-même, il n'a jamais voulu qu'on soit muta'assibin. Le sectarisme à lui ou quelqu'un d'autre. Et les plus grands savants l'ont dit. Nous jahid, nous combattons pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le wahi. Les humains, ils font des erreurs. Mais des milliards et des milliards de choses qu'il a dit, tu as trouvé quelques petites erreurs que tu ne comprends même pas. Et que ce n'est pas ton domaine à toi en plus. Et ce n'est pas mon domaine à moi. C'est le domaine des savants qui parlent et qui peuvent discuter de ces erreurs-là. Et parfois, c'est des interprétations que des gens qui pensent aimer Ibn Taymiyyah sortent et colportent sans qu'ils les comprennent, ils vivent avec elles, et ceux qui n'aiment pas Ibn Taymiyyah aussi sortent et ils ne comprennent même pas. Parfois, c'est même des interprétations, ils ne sont pas des erreurs. Donc, Aoussa al-Ulama est un des savants les plus larges en science, en jihad, en mujahada, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pour la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que tu as dit sur lui, il ne va t'attirer que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, bien-aimé, parce que quoi que tu fasses, tu restes un frère, qu'Allah te guide. Repentis-toi avant que l'ange la mort frappe. Et là, je fais un dua en arabe littéraire pour que Allah, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Ibn Taymiyyah et sur tous les savants et sur tous les du'ats et sur tous ceux qui ont essayé d'apporter quelque chose à l'islam. Sache mon frère que je t'ai donné mon conseil avec l'encre de mon cœur et de mon amour pour ta guider. Ne sois pas orgueilleux et fais ton repentir sincère. Si tu t'entêtes dans l'orgueil, sache mon frère que tu rencontreras Ibn Taymiyyah un jour où Allah sera en colère et sache qu'il va te demander de rendre des comptes. Lien à méditer et j'ai envoyé à ce monsieur un lien qui s'appelle « À toi l'orgueilleux ». Une des vidéos que j'avais fait qui s'appelle « À toi l'orgueilleux » au cas où. Et il devient orgueilleux. Et ce monsieur m'a répondu, il m'a massacré. Mais il m'a massacré. Et je lui ai répondu une première fois avec paix, avec gentillesse. Le lien, il est sur ma page, avec gentillesse. Et il m'a encore massacré plus que ça. Mais vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. Je n'ai jamais été insulté à ce point. Ce monsieur m'a vraiment lessivé. Et je réponds une deuxième fois. Et ce n'est pas dans mes habitudes. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je ne rentre pas dans ces jeux-là. Avec paix, avec un message d'amour et de paix, et de nasiha, de conseil. Et il m'a massacré, alors que je lui faisais 10 doigts, 10 lignes de doigts en plus. Je fais des invocations pour lui. Qu'Allah t'aime, qu'Allah te donne le paradis, qu'Allah. Et sincèrement, il m'a même des gens qui venaient intervenir, ils disaient, si ce que je dis n'est pas hypocrite, c'est bien. Les gens pensaient qu'on ne peut pas recevoir tout ce type d'attaque et répondre comme ça. Ils étaient étonnés. Voilà. Et ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris ça. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. وَدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنَ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Repousse le mal par le bien. Comme ça, celui avec qui tu as une animosité, il devient un ami chaleureux. Mais ça n'a pas marché avec celui-là parce qu'il m'a massacré. À un moment donné, j'ai laissé tomber. Et des frères m'ont dit, parce qu'à ce moment-là, je suis tombé malade. Et des frères m'ont dit qu'il a continué à me massacrer. Peut-être même il a dit que j'étais kafir ul-iyadu billah. Donc c'est bon, j'avais quitté la religion, peut-être pour ce monsieur, et des gens m'ont envoyé des mails, ils ont cru que j'ai arrêté parce que celui-là m'a fait triste. Non, non, c'est ces gens-là qui doivent être tristes s'ils ne font pas le repentir sincère. Allahumma arham Ibn Taymiyyah, Allahumma arham Ibn Baz, Allahumma arham Ahmad ibn Hanbal, Allahumma arham jami'a ulama'ina, Allahumma arham kulla man sa'a li alay kalimatillah, Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad.